Hello les potes, c'est Dofusion, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars, je suis ravi de vous retrouver. Vous le savez, la team Kra avance ultra bien et du coup, j'ai un petit peu réfléchi tout à l'heure sur Twitch avec les personnes qui étaient présentes sur le chat à comment un petit peu améliorer ça pour que ça aille encore un peu plus vite. Et dans tous les cas, je devais changer mon stuff également puisque j'arrive à un level qui nécessite un changement de stuff. Actuellement, j'avais toujours le même stuff un petit peu classique avec les silimels, tout ça. Enfin bref, stuff, sagesse, ce qu'il y a de plus classique. Et du coup, en regardant le meilleur stuff Sasa possible et un stuff un petit peu alternatif, on s'est aperçu d'une chose les amis. Cette chose, c'est que si l'on part sur un stuff Sasa optimal, on arrive à 800 de sagesse à peu près en caractéristiques. Et si on part sur un stuff hybride, vous allez comprendre après ce que j'entends par hybride, on arrive à un total de 785 de Sasa, soit 15 Sasa en moins. Cependant, ce stuff hybride, comme son nom l'indique, il a d'autres caractéristiques. Non seulement il a 785 de sagesse sans compter d'éventuels over, mais en plus de ça, il va apporter de l'intelligence et des PA. Ce qui signifie que pour les cracks que je suis en train de monter, une fois qu'on va passer au Kimbo, là dans les prochaines heures, il me manque encore, je dirais, 4 ou 5 heures de petits farms RN et CM pour adapter les levels de la team. Avant de partir sur du Kimbo, mais une fois qu'on passera sur du Kimbo, eh bien ça accélérera les combats de 1 à 2 minutes par combat sur des combats d'une durée généralement de 8 minutes. On passera sur des combats à 6 minutes. Du coup, en termes de temps gagné par rapport à l'XP généré, c'est hallucinant comment c'est rentable les amis. Je vous le garantis, vous allez voir, c'est abusé. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller acheter tous ces petits stuff et également, vous allez le voir, on va avoir un très très gros investissement puisque nous allons également acheter les parchemins d'intelligence. Alors il faut savoir qu'on avait déjà dépensé 90 millions de kamas dans ces kras avec les parchemins de sagesse. Là, on va passer aux parchemins du coup d'intelligence qui vont, je pense, coûter une belle blend également. Déjà, on va partir sur du coup les petits parchemins d'intel que je n'ai absolument pas. Il m'en faut du coup 25 x 6. On va faire les petits calculs à la calculette parce que flemme de calculer comme ça. Donc ça nous a fait, nous en faut 150. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, c'est fait. Et ensuite, directement, je pense qu'il faut mieux passer direct en puissant. 2M9, 3M8 et... Ouais, d'accord, ok. Ok, bon, ben, c'est totalement incompréhensible de passer sur autre chose que du puissant, honnêtement, les gars. Et du coup, il m'en faut 38 par perso. Multiplié par 6, ça fait 228. Waouh, ok. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22 et là 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on y est. Parfait, 228, 150. J'ai un grand parchemin d'intel là. On s'en fiche. Ok, waouh. Ça fait un sacré coup au niveau des kamas, mais on est obligé de passer par là, bien évidemment, pour pouvoir continuer à optimiser cette magnifique petite team qui nous rapportera tellement derrière. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. J'ai aussi acheté des petits parchots de sort, les gars. J'ai pas précisé, mais pour continuer à augmenter les deux cras principaux, c'est-à-dire celui-ci d'Ophusium et le second cras d'Ophus. J'ai des parchots de sort un petit peu tout à l'heure. J'ai dépensé 25 millions de kamas dans les parchots de sort. Donc c'est des grosses dépenses qu'on a en ce moment. Il va falloir qu'on ressorte, je pense, la team Sadi un petit peu en off, histoire d'aller farmer du crackler. Parce que là, j'aurai peut-être pas assez pour faire tout ce que j'ai à faire d'ici là. Mais bref, ça, c'est bon. Déjà, les parchots, c'est fait. Ensuite, on va aller acheter ce qui nous manque. Par contre, on va pas acheter 6 stuff, mais 4. Pourquoi? Puisque je gère le Kimbo avec un Pandawa, un Enutroph et mes deux cras principaux. Ça veut dire que j'ai 4 places pour les mules que sont 4 cras. Du coup, j'en montrerai d'abord 4 level 190, puis les 290 seront encore plus rapides puisque du coup, au lieu d'avoir 2 cras qui rock, j'en aurai 4, donc ça ira extrêmement vite. C'est Dofusion, juste un petit message pour te dire que tes vidéos sont mon 3 épée. J'ai commencé une team sur le serveur. Bonjour à toi. Eh bien, ça fait super plaisir, mec. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Hop, je réponds juste, voilà. Et du coup, ça ira super vite de monter les deux derniers puisque on aura deux cras en plus, level 190. À la limite, je me tâterai même à monter un second Pandawa, c'est-à-dire de monter plutôt, de prendre un autre cra, donc avoir trois cras 190, le panda, les Nutroph et un autre panda avec les deux autres cras. Pour pouvoir ensuite split quand je ferai du Kutan, etc. plus tard, ou de l'Ilizael, pouvoir faire deux groupes de deux, c'est-à-dire trois cras, un panda, trois cras, un panda, pour pouvoir générer encore plus de captures. Donc ça, c'est à voir, j'y réfléchis. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les quatre premiers cras à up.
au niveau des stuffs, du coup, les amis, déjà, j'ai récupéré ça qui faisait quasiment la meilleure sasa possible sur les amulettes. Ça fait un petit peu de dentelle, etc. Mais c'est très léger. Mais ce qui est important ici, c'est d'avoir le PA et la sagesse. Vous allez comprendre pourquoi dans le stuff. Je vous le montrerai après en détail. Au niveau des ceintures, il va me falloir acheter deux ceintures fulgurantes. En plus, pourquoi? Puisque l'objectif sur ces cras, sur le stuff hybride, c'est d'avoir 10 PA. Comme ça, je peux faire maîtrise de l'arc into 2 flèches explo, ce qui me permet de clean absolument tous les monstres au T2. Donc ça me fait gagner un temps absolument considérable. Là, au niveau DG et B, je vais regarder juste s'il n'y a pas un 40 déjà prêt par hasard en Sasa. Mais sinon, on va pas s'embêter, j'irai les FM moi-même, on va prendre des 39 et j'irai les FM moi-même, je rajouterai une rune ça. Hop, voilà, ça c'est fait, j'ai les ceintures. Au niveau des bottes, on va rester sur des protèges tibia ancestraux. Pourquoi? Parce que déjà au niveau de la Sasa, il n'y a quasiment rien qui fait mieux que ça. Et on a en plus des petits dommages, et ça c'est vraiment pas négligeable. Sur ces crans, on cherche vraiment des dos absolument pour pouvoir taper environ du 150 à 170 à la flèche explo, en faire 2 par cra avec 4 cras supplémentaires. Ça nous fait du 340 ou 350 par cra x 4. On arrive à 1400 dégâts. C'est insane, les gars. Vous imaginez pas comment ça va accélérer le combat. Enfin, vraiment, vous verrez. Parce que moi, j'y croyais pas au début, mais on a fait tous les tests et tout. Et c'était hallucinant. Bien, ça, c'est bon. Ensuite, on va passer au niveau de l'HDV des tailleurs. On va avoir de nouveau de très, très grosses dépenses là. Mais il faut bien passer par là. Il n'y a pas le choix. On va acheter déjà des Dorabora. Alors ça, ça coûte une blindasse, les gars. Il nous en faut en plus des très bons jets Intel et Sasa. Celui-là, par exemple, est très bien. Une. Ensuite, il nous en faut du coup... Ouais, parfait, ça va être très bien. Deux. Hop. Ça, c'est pas ouf. Tac, ok. Ça, j'irai FM, je pense. Ouais, ça, je pense que j'irai FM parce que les jets ne me conviennent pas. Les G me conviennent pas du tout, du tout. Celui-là, je vais le prendre pour l'instant. Et il n'y a pas un G correct là. Pas un G correct. Ouais, ça fait cher après là. Hein. Ça fait cher, mais celui-là, il est très beau. Allez, je vais prendre celui-là en plus. Voilà. Ok, j'ai mes 4. Ensuite, mes caps Mastralis, les gars. Les caps Mastralis. Ça aussi, ça picote. Mais du coup, 50 ça, mine de rien. Après, ça, c'est des stuff, les gars, qui je pourrais garder, en fait, ad vitam aeternam pour monter en boucle des persos. Donc, c'est pas de l'investissement perdu, tout ça. Ça, c'est pas du tout de l'investissement perdu, il faut se dire ça. Ben là, carrément, je vais prendre les 4G de base et je vais juste... foutre de là. Ouais, je vais juste faire ça, en fait. Je vais prendre les G de base et je vais foutre des passas, en fait, juste pour les monter à 50. Hein. Deux... Ouais, si on peut avoir plutôt une qui direct part de moins loin. 3 et 4. Ok, waouh. Ok, on a plus de 100 millions d'investis déjà là-dedans. Entre les pare-chocs et tout. Les pare-chocs coûtent cher, mais bon, il n'y a pas le choix d'y passer. Ça, c'est fait. Et il va nous manquer, donc, du coup, uniquement les anneaux. Hop. Qui seront les anneaux feu d'Ala. Alors, franchement, les gars, j'étais surpris, mais il n'y a vraiment pas mieux pour ce qu'on va en faire. Franchement, en 30-30, ça passe très bien. Et ça coûte que dalle. Hop, il n'y en a pas d'autres en 32-30, voilà, parfait. 3 et 4, ça c'est impeccable. Et si juste j'allais oublier, mais les baguettes d'Elem du coup, bien évidemment. HDV des sculpteurs avec là, si possible du coup, du perf Sasa, Lemb. Il m'en faut 4 du coup, je crois qu'en plus j'en avais moi là-dedans des Lemb là. Je sais même plus, non, j'en ai pas, tant pis. Donc il me faut du perf Sasa, vraiment là, pas le choix, sachant que j'ai pas les métiers pour les FM et que c'est une vraie plaie à trouver. C'est du 40-40, ça va être compliqué à trouver en vrai. Peut-être j'essaierai d'en acheter plutôt en HDV parce que là ça risque d'être un peu la galère à trouver. En non-FM comme ça. Donc je pense qu'on va faire ça. Ouais, ça les gars, je vais essayer de les trouver juste après du coup en commerce parce que là sinon ça va être vraiment une plaie. Ou alors de trouver un sculpteur, un mec qui forge mage les baguettes parce que sinon ça va coûter une blende. J'ai pas envie de mettre 9 millions dans des baguettes. Ouais, on s'en fout en plus FM Vita. Nous, ça nous intéresse pas. Il nous faut que du perf Sasa et du perf Intel si possible. Sachant que du coup... Ouais, ok. Je vais faire ça. Juste après, du coup, je chercherai ça. Ça, c'est bon. Je pense qu'on est pas trop mal, les amis. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais aller connecter les cras, mettre tout ça sur les cras, trouver les baguettes des lemps. Et je vous retrouverai pour un petit combat sur le Kimbo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en action, les amis. À tout de suite.
Du coup, les amis, on est un jour et demi plus tard à peu près. J'ai donc pu essayer les stuffs et puis également j'ai XP davantage. Je suis actuellement du coup sur l'écran à peu près level 163. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas mal. Au niveau de la sagesse, on est quasiment à 800 de Sasa. Pour le stuff, c'est celui du coup que je vous avais dit avec Dorabora, Cap Mastralis, les protèges tibia, Anneau Ancestral, Ceinture Fulgu, Alliance Fedala, Amulette Eliawood et les baguettes de Lembe, le Dofus Kawott et bien évidemment la Dragoon Rose. Bon, ça là, il faut que je donne encore un Chacha pour qu'elle soit 55. Donc, ça nous fait ça. Au final, j'ai aussi parchoté les cras. Il me semble que je ne l'avais pas montré. Je ne sais plus si je l'avais montré ou pas. Ou peut-être j'avais juste acheté les parchots. Mais bref, voilà. En tout cas, on a également du coup parchoté en sagesse du coup et en intelligence. Il va me manquer chance, agi et force à faire. Avant du coup le level 190 ou le level 190. 163 à mardi, donc ça veut dire, enfin mercredi quand la vidéo sort, mais à mardi, du coup je suis 140, 163. L'objectif c'est clairement à dimanche d'être 190 pour pouvoir ensuite s'attaquer aux exos et puis par la suite commencer le gros tryhard des donjons CM pour finir d'XP les ennemis level 200 et monter un perso de chaque classe level 200 dans la suite et en parallèle aussi faire du croca du coup pour pouvoir tout simplement essayer de choper un petit Vulbis en split, mais je vous remontrerai bien évidemment tout ça. Il nous reste encore pas mal d'étapes à franchir comme vous pouvez le voir, mais on avance extrêmement bien. Voilà les amis, en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous motive. Si jamais vous avez des questions sur les mobs, comment taper, comment XP rapidement, etc., ben n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de vous y répondre un maximum. Si jamais, n'hésitez vraiment pas à prendre les quelques secondes supplémentaires pour mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir les amis. Merci à tous ceux qui prennent les quelques secondes pour faire le petit pouce bleu. Et si jamais c'est pas fait, s'abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je suis également live tous les jours sur Twitch là en ce moment. Donc si vous voulez passer voir la chaîne Twitch, c'est dans la description juste en bas. Vous avez aussi la chaîne secondaire sur laquelle je vais vous mettre toutes les rediffs de live pour ceux qui ne peuvent tout simplement pas être présents. Et il y en a beaucoup qui me demandent tout simplement de revoir les lives, etc. Donc soit vous avez les rediffs sur Twitch, sinon je vous les mettrai sur la chaîne secondaire comme je le faisais avant. Voilà les potes, c'est tout pour moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à du quelques jours, même pas un, demain ou après-demain, pour une nouvelle vidéo. C'était Dofusium. Bye bye.